your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Ko sabi mom borom bax la borom bax la mu bënn jam tan tan ci sorop ken nga ko xamni vraiment man duma né c'est un collègue mais c'est un frère. Pourquoi man ñaan la koy defal nga comme nima ko waxé rek limuy def ko machallah nim commencé ni c'est une bonne chose non seulement mu ngi liggéey ak académie bi donc la base partie formation mais également avec un des grands clubs voire peut-être le plus grand club du Sénégal. It's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold shape find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Je suis Salim Ndaw, donc je suis de Kumbour. Je suis un entraîneur de football, donc je suis le préparateur physique de l'AS Dakar, Giraffe de Dakar. En même temps aussi, j'interviens, je suis venu aussi ici Bisport, donc j'interviens dans les catégories U19 et senior. J'ai fait mes études à Mbour, donc d'abord à l'école primaire Diamagan 2, donc ensuite je suis allé au CM Serigne Amadou Wade, donc ex-CES 3. C'est par la suite que j'ai réussi le BFM pour accéder au lycée de Mbadiop. Donc c'est là où j'ai eu mon bac. Donc après le bac, je suis venu ici à Dakar. Donc j'ai réussi le concours de l'INSEPS, donc l'Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport. C'est là où on forme les professeurs de PS et les hauts cadres du sport. Donc si Diar Diar dal, le monde n'est que Diar Diar en termes d'études. Sur le plan footballistique, donc comme jeune bu nek, donc joué na Nawetane, sama deuk bi ma deuk moy Mbour, donc joué na Thiossé, j'ai démarré avec Thiossé. Ensuite s'il a joué Château d'Eau, après Diamono, ensuite Bokou Diom, donc j'ai passé aussi pas mal de villes ici au Sénégal comme Kolda et Kaolack. Fof aussi joué na fa. Bima ñëwé fi aussi Dakar, j'ai joué à Olympique Club avec les Eliman Kan. J'ai joué aussi à MPC ex Trekunda, donc dans les catégories cadettes et juniors. Waouh, c'est Diar Diar football, donc lol. À l'INSEPS au début, bon, bim ñëwé dañuy yaakar né, puisque on parle d'école de sport, donc bo ñëwé da ngay def sport études. Motax pratiquement alors que sax bo xolé INSEPS jang bi mo ëpp
fouf li ngay def sport. Donc juste la pratique du sport c'est pour les premières années, deuxième année. Donc fouf la activité physique yu intense di am. Donc mais à partir de deuxième année voilà maintenant dans les jungles comme qu'on est dans les facultés de médecine parce que aussi fofu donc on fait les deux matières phares de la médecine la physiologie et l'anatomie donc ça nécessite beaucoup de concentration et puis avec d'autres matières nga xamanteni ni comme la pédagogie générale donc l'interaction et l'intervention pour vous dire que pour tout étudiant de l'INSEPS, donc lol, au début lol, on a yakar. Alors que au contraire, bon yé, donc on a def jang bi sax mom moy gëna metti que football bi quoi. Je suis optionnaire de football et de judo, des sports de combat. Qui dit optionnaire de football et de combat, donc nécessite au moins une maîtrise de ces deux disciplines. Donc raison pour laquelle voilà mes deux options et j'ai pratiquement favorisé le football puisque je l'aime dès le bas âge. Donc c'est ça qui m'a fait aimer la discipline avec aussi l'appui de mes aînés, nga xamanteni ni ce sont des grands entraîneurs comme le feu Lamine Dieng, l'ancien coach équipe nationale, donc les Mayassin Mar qui fut mon professeur, les Souleymane Diallo de l'équipe nationale U17, les Cheikh Tahirou Fall, les coachs Jano, les coachs Malik, les coachs Papi, El Hadj Kanté, Ibrahima Sané, les Khadim Tian. Donc voilà un bloc d'entraîneurs bi nga xamanteni ni. Donc ce sont mes aînés, ils m'inspirent. Il me conseille toujours par rapport au métier, donc lool motax ma gëna bëgg métier bi, donc pour mën ci dugg carrément quoi. Sans oublier aussi mon frère de sang, donc Cherif Aliou Ndaw, qui m'a beaucoup poussé à ce que je fasse le concours de l'INSEPS, donc pour le réussir, parce que peut-être il voyait en moi des potentialités, etc. Bon, c'est difficile, c'est pas difficile. C'est difficile et souvent, quand celui qui exerce le métier ne sait pas exactement le cheminement qu'il va emprunter, en termes de planification, en termes d'évaluation et en termes d'intervention. Chez nous, à l'INSEPS, heureusement, la chance qu'on a, donc on nous forme sur tout ça, donc parce qu'un préparateur physique, pour qu'il ne se fatigue pas par rapport au travail, donc il faut qu'il planifie toujours ses séances, donc par rapport à la préparation pré-saison, durant la compétition et la post-compétition. Donc tout ça, ce sont des en fait ay ki la yo xamanteni ni ay paramètres la yo xamanteni ni, donc ki nga xamanteni ni mom moy le préparateur physique au moins daf ko wara maîtriser, surtout la planification, parce qu'on n'improvise pas dans la préparation physique. Tout ce que tu fais, donc tu dois l'observer d'abord, nga xol les besoins des jours, après c'est à base de ces besoins donc au moins ngay mëna planifier say séance, nga xol li ñu manqué, donc fan lañ am ay faiblesses, donc nga mën ko renforcer. Pour man, donc metti na metti wul, si tu as des jours yi nga xamanteni ni ils sont coopératifs et impliqués, je pense que ça ne sera pas difficile quoi. Ni ma def ba ñew bi sport aussi dès ma première année à l'INSEPS, donc puisqu'on nous impose des stages dans les clubs, donc si la ñeu fi Bisport, j'ai démarré à Bisport depuis sa création, nek fi entraîneur, pratiquement j'ai passé dans toutes les catégories, des poussins jusqu'au senior. Li tax ma intégré Jaraf, bon même moi peut-être je ne peux pas te dire exactement pourquoi j'ai intégré Jaraf. Peut-être Jaraf m'a observé durant la saison passée avec le foot féminin, parce que j'avais les aigles de la Médina, donc l'équipe A
l'équipe pro, donc chez les filles. Et Alhamdulillah, on est terminé deuxième du championnat, donc vice-championne Sénégal. Peut-être voilà. Par rapport aussi à ces performances que j'ai faites, peut-être c'est ça que Djaraf m'a contacté. Et Djaraf aussi ne choisit pas, peut-être par hasard, souvent quand ils ont besoin d'un préparateur physique, donc ils font appel à l'INSEPS. Donc peut-être c'est l'INSEPS qui me l'ont mis en rapport avec eux. En même temps aussi avec l'appui de coach Cheikh, Cheikh Gueye, donc qui était le coach principal, donc qui a fait appel à moi, donc pour que je vienne au moins travailler avec lui pour cette saison. Par rapport au football professionnel, ça a été toujours ma philosophie, hein, parce que d'après la petite durée que j'ai faite dans le football professionnel, je vois un manque de professionnalisme. Peut-être d'accord voir professionnel sur des paroles uniquement, mais sur les faits et les pratiques. Donc ça reste encore du professionnalisme. Et pour moi, football bi mën na développer raw yi nga xamanteni ñom ñoo nek suñu ñaatango ici en Afrique bu ñu xawé professionnaliser affaire bi. Et professionnalisme bobu mënul am tant que déloatu ci base bi. Base bi moy la petite catégorie. Donc il faut qu'on insiste sur la petite catégorie en ayant des infrastructures sportives nga xamanteni dafa bëngo ak ñu ci pratique sportive. Et puis d'y mettre les moyens qu'il faut dans le football professionnel. Parce que tu ne peux pas avoir des joueurs qui ont payé un salaire misérable alors que tu as besoin de performance. Et puis, vous voyez ici le côté administratif, vous voyez aussi ce côté pratique par rapport aux joueurs et aux entraîneurs. Donc, je démarre d'abord avec les entraîneurs. Il faut que aussi les entraîneurs, surtout de la première division et de la deuxième division, donc lui a des attitudes, qui sont des attitudes responsables. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, tout entraîneur, souvent, par rapport à ses attitudes, ça peut impacter de façon négative ou de façon positive sur la performance des équipes. Donc, il faut que nous inculquons des valeurs à nos joueurs pour qu'au moins nous ayons un comportement dans le terrain et hors terrain. Et beaucoup de violences pratiquement au niveau des terrains, les 50% sont créés par les entraîneurs en tant que des personnes responsables avant que jouer les joueurs. Pour moi, l'équipe aussi doit jouer qui image au coach. Donc il faut que le coach aussi il y a une attitude bas, donc moi là on y a sa mbop, et on y a aussi sa mon collègue entraîneur. Vous nous êtes aussi entraîneur aussi, il faut que nous ayons six jours professionnel, première division. Il faut que nous comportions de façon professionnelle sur tous les plans, parce que moi nous n'êtes en première division actuellement avec le football sénégalais football. Donc nous avons des pratiques mystiques qui souvent ça ne colle pas avec notre image. Le professionnalisme, ce n'est pas le mystique, mais plutôt ce sont des pratiques, des faits réels sur le terrain. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on ait un comportement de professionnel. Professionnel, vous savez, il faut qu'on ait un comportement de professionnel. Et puis, il faut qu'on ait aussi un respect. Parce que le football, il y a des gens. Soit, tu as gagné, ou tu as gagné, ou tu as fait marcher. Mais le plus souvent, pour moi, en amont, nous, les entraîneurs, on devait préparer nos joueurs par rapport à ces situations. Parce que nous on a ce défaut. Moi, on n'accepte pas de perdre. Et pour accepter de perdre aussi, pour gagner, il faut gagner. Donc, pour gagner aussi, il faut accepter la défaite pour nous. Pour moi, l'acceptation de défaite, mais dans le bon sens, moi, la sérénité et le calme, surtout durant les compétitions. Benen bi, moi, surtout sur la petite catégorie, il faut qu'on insiste sur les académies, d'instaurer des cours théoriques, pour qu'au moins, les gosses, en fait, savent exactement ce qu'ils pratiquent, nous qu'ils disent sur le tableau, ni alterner les deux, en fait, parce que xalé souvent limu gis lay gëna gawa capté que limu li nga xamé dañ ko koy wax. Donc si on allie les deux, la théorie et la pratique, peut-être sur le football
donc mën na avancer bu baax par rapport ak suñu yeneen naatango yu nekk au niveau de l'Afrique. Pour yéen, est ce que gëdd guñ leen war a jox par rapport à vous les comment dirais-je les préparateurs physiques, gëdd guñ leen war a jox, est ce que jox nañ leen ko réellement ci club yi ngeen club bi? Waaw, foofu ça pose un peu problème. Mm-hmm. Parce que mooy li ma doon wax sànq rek, jusqu'à présent on est dans le materialisme. Mm-hmm. Mais en réalité pour ceux qui connaissent le football et l'essence du football, donc ils savent exactement que le préparateur physique fait partie des hommes les plus importants dans une équipe. Mm-hmm. Donc sans le préparateur physique, en fait l'équipe menul dem, parce que préparateur physique c'est lui qui prépare l'équipe. Mm-hmm. Avant, pendant et après. Et lol mo ñu différencier ak Touba bi, donc là-bas en Europe les préparateurs physiques pratiquement sont les mieux payés, mais ici au Sénégal peut-être gëdd biñ la wara jox duñ la ko jox. Et puis ils pensent que préparer des joueurs c'est uniquement les faire courir, alors que c'est pas ça. Donc tout le travail repose sur le préparateur physique. Donc de ce fait j'appelle aussi à tous mes collègues préparateurs physiques et coachs, donc de pouvoir faire un travail de qualité et d'intervenir de façon objective sur leurs interventions. Donc, parce que nous, nous gissons rek pour les awolé, mais nit ki nak bu xamul lan ngay jar yow aussi yow nga xam lan moy sa ñëpp. Et cela veut dire que aussi n'importe qui ne doit pas être préparateur physique, parce que on a affaire avec des personnes, avec des individus. Et notre objet, c'est le mouvement. Donc, au moins celui qui doit préparer l'équipe, il doit avoir des notions et des compétences sur les aspects physiologiques, biologiques et biomécaniques. Et tous ces aspects, ce sont des aspects scientifiques que le préparateur physique doit maîtriser, et la récupération des joueurs, donc le ratio alimentaire. Tout ça, ce sont des aspects que le préparateur physique doit être capable de reconnaître. Il faut que les gens soient encore une fois, il faut que les gens soient en train de se faire. Parce que tâtonnement, il n'y a pas de cigare. Est-ce que des fois, ci mat ci ni ngeen ni comme ni ma waxe sank préparatif bi, est ce que dina am problème ak course bi? Des fois mu bëgg duggal ben joueur préparatif ni ko ki nekul en forme wala loolu, est ce que su nekul yow dal na la par rapport ak tes collègues? Waaw, souvent du ñak dina am préparatif am ay tiraillement ak le course principal. Bon, mais man en ce qui me concerne, donc j'étais en parfaite collaboration avec le coach avec qui j'étais, donc le coach chef de Djaraf. Donc on travaillait dans de parfaites collaborations. Toujours, je demandais mon avis pour moi, au moins, de quelle décision la cité. Parce que même à travers les choses que nous faisons, pour vous dire vrai que moi j'avais pas de problème, parce que celui avec qui j'étais, au moins il connaît le football, il comprend exactement la valeur du préparateur physique et la valeur aussi de la préparation physique en général. Moi, nous on n'avait pas ce problème à Djaraf. Nous maintenant les résultats durant la saison, donc on avait une équipe compétitive et athlétique. Donc tout ça, je ne dirais pas que c'est le travail du préparateur physique, mais c'était aussi le travail de tout un chacun, en commençant par le coach principal. Parce que en réalité, le coach lui-même doit être capable de préparer son équipe athlétiquement, techniquement et tactiquement. Et est-ce que yépp, machallah, donc Fred Djaraf amoon nañu chance pour nous, parce qu'on avait un grand entraîneur. Et puis aussi joxon na ma confiance, puis nga xamanteni on échangeait sur tous les aspects, donc même par rapport au classement, yooyu yëpp dañ ci discuté. Pour moi, l'équipe foofu lañu war a tendre aussi. C'est pas parce que je suis le coach principal, donc je détiens le monopole des décisions. Parce que c'est une chaîne de valeur. Staff technique lañ wax. Donc le staff technique est composé du coach principal, préparateur physique et le médecin. Donc ñett ñi ñëpp dañu war a travailler dans de parfaites collaborations pour que erreur du am. Parce que médecin aussi daf si am sa part de responsabilité. Tay jour bi bu nekkee méforme, préparateur physique war na wax ni principal kii n'est pas en forme, lii ak lii. Donc
il va nous soumettre au médecin. Le médecin va faire un traitement. Donc, un jour blessé, prépare le physique, on ne peut pas détecter. Il le dit au médecin. Donc, jour beau aussi, on est responsable du souvent de notre ce qui est. Il faut qu'on ait une communication entre le staff technique. Pourquoi amour est toujours aéré rôle. Et pratiquement ici au Sénégal, c'est le problème de pratiquement de tous les clubs. Mais heureusement, nous à Giraffe cette année, donc on n'avait pas ce problème. Mon objectif c'est de devenir d'abord professeur d'université dans le domaine du football, spécialiste du football. En même temps aussi être un grand entraîneur comme on le sait. Je suis un peu plus de temps. Et puis il faut que dëkk bu nek je parle de manière générale dëkk bu nek ñi nga xamanteni ñom ñoo nek ndaw dëkk bu ñu genn dem wuti xam xam ci discipline bu mënti nek au moins bu ñu démé ba am xam xam bobu au moins ñu andi wat ko ci seen dëkk yi nga xamanteni ni fofu lañu ba fofu moy seen base pour que seen rak yi mën ci jëriñu pour man lool mo nek essentiel bi donc ku nek bu ko défé ci dëkk bu nga dëkk rek peut-être football sénégal ak sport sénégal mën na avancer dem ci kanam quoi dal loy tagato ba bo di gërem internet yi ñu doon sétane yépp donc di la gërem aussi particulièrement ak yow ñu accordel interview donc je remercie tous mes promotionnaires de l'INSEP tous les professeurs et tous ceux qui mettent en fait de près ou de loin mes collègues ici à Bistor et à Djaraf. Donc je remercie aussi le président Tien et l'ensemble du personnel de Bistor et de Djaraf à qui ils m'ont accordé cette occasion pour moi pour que les gens puissent me voir dans ce milieu de sport. Salut ndaw bon man mang ko xamé fi la wax fi di sport moy kenn ko xamné vraiment man duma né c'est un collègue mais c'est un frère lepp lu muy def da ko ci bolé ci la expertise mu nek ko xamné vraiment bon professionnel nek relation bu sax ñu relation bu professionnel ko et am nak relation bu naaw comportement bu baax la am dal ci ñepp la wol jaw ñepp day balag ñepp wala day rubé ñepp en tout cas franchement fi fu mu nek dal fu ni ñi jam rek lañ fay té kenn wéet dal ci ñak fi la fekk wala waaw man fi la fekk ma fi ko fekk bi ko fekke ak ay beeg yoy nan la nan la ko defal non c'est extraordinaire amna yu bari nga xamanteni mom nan nak pour nit ay nit diko seuk il faut le plus souvent ñi nek ensemble yak mu na wax dama fekk ci rek yalla def ni franchement ñu nek ben ci bu bari koy xelam ñu échange lu bari wa jamu ci bari jamu ñu nek ni la mom yomb donc ko le ngay xaxam ko ngay bari bëna jafé ci la Sénégal bi tam ñu nekk mais nit mom yaakaar naa soo bëggee dara mom boo xawee du moy lu bëri rek na facilement nga dem nga dem ñu gën a encouragé di gën a ñaaral yàlla comme ça si dem nekk nii moom mu nekk carrément passion mu nekk tamit nga xam ne ñëpp ko bëggandoo donc ñaan yàlla mu may ko si ndam ay dem Mamoun loo koy wax conseil lay doon wala ñaax lay doon lan lay doon Mamoun lu ma koy wax mooy mu gën a jàpp gën a
sakku xam xam parce que affaire do tam la mu ngi def la partie théorique. Donc je souhaite que moi am continuer ba am diplôme et avec vraiment de belles performances. Mais sur le plan expérience aussi nim commencé ni c'est une bonne chose. Non seulement mu ngi liguey ak académie bi donc de la base partie formation mais également à des grands clubs voire peut-être le plus grand club du Sénégal mu ngi liguey ak ñom ça c'est expérience bi mëna jëlé. Donc je conseille pour le boulot de l'effort encore. Merci président. Merci.